Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tirage. Bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel, tout comme tous mes autres tirages. Vous pouvez parfaitement aller les consulter s'ils vous appellent. J'espère que vous portez tous bien. Alors, on va se laisser justement porter pour les messages. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire et à faire parvenir aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire et à faire parvenir aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, désolée pour ma voix, hein. Alors. Waouh! Cas, je vous montre les cartes. Voilà. Donc là, j'ai fait effectivement un mélange de plusieurs cartes entre tarot et oracle. Ah bah dites donc! Que des cartes majeures. Waouh. Et ça démarre très fort. On vous annonce en tout cas un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et ça, c'est super. Des nouveaux projets. Des nouveaux projets. Voyez ce qui vous parle, ce que vous êtes en train de vouloir peut-être mettre en place. On vous demande que, quand même, qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience, peut-être encore que vous allez devoir faire preuve d'audace concernant ces projets qui vous tiennent à cœur. Donc là, on parle sur tous les niveaux parce que quelque chose de très important va se mettre en place. Ça a pris du temps, en tout cas. Ça a pris du temps. Mais vous allez réussir. En tout cas, ce que là, je perçois dans les premiers messages, c'est qu'il y a quelque chose qui était gelé, qui va se dégeler. Donc ça peut parler, je le dis une fois de plus, pour tous les domaines, matériels, professionnels, financiers, amoureux. Vous allez avoir des éclaircissements. Et il y a quelque chose, oui, qui se remet en route, voire même une personne. Waouh, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Magnifique, magnifique ces messages. Par contre, on me dit qu'il y a un certain aussi détachement. Vous avez dû faire preuve, oui, de détachement concernant une personne, une situation. Mais il y a quelque chose de très important qui arrive, qui se profile à l'horizon, on me dit, pour vous. Donc, on va voir, hein. Si un domaine en particulier se prononce un peu plus, je vous montre bien évidemment les cartes. Accomplissement, victoire. Waouh! Oh. Vous allez recevoir cela tel un cadeau. Ça va vous permettre d'ouvrir plusieurs portes dans votre vie. Ça se reprononce. C'est quelque chose que vous avez souhaité, peut-être même demandé. Les vœux exaucés. Et par rapport à quoi, s'il vous plaît, les guides? C'est magnifique, là. Là, les énergies, elles sont très belles, hein. Remise en route. Accomplissement, victoire, nouveau départ. Il y a quelque chose qui va sortir enfin de l'ombre. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications, s'il vous plaît? Ah, la prêtresse, ok, papesse, impératrice, tempérance.
L'isolement, de nouveau. D'accord. L'âme. Ok. Ouais. Il y a quelque chose ou quelqu'un. En tout cas. Ça a été gelé là. Mais on vous dit que c'est pour un bien, une victoire. Il y a quelque chose qui est en gestation, en tout cas, d'assez fort, d'assez puissant dans ce tirage, hein, qui va vous permettre de vous élever, de voir plus clair. Mais je vois aussi une autre personne. Alors, c'est quoi cette personne? Dans quel domaine, s'il vous plaît? Oh là, plusieurs qui sont tombés. Info, d'accord. Grande transformation, c'est ce que je vous ai dit. La maison, un lieu. Oula. La vigilance. Nouveau départ. Donc, bon, ben ça c'est certifié. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, pour vous, vous êtes énormément sorti, bien évidemment, à qui parlera ces messages, hein. Voilà, faites-vous confiance. Donc, vous êtes sorti dans ce tirage avec la victoire, le dégel, la victoire. Et là, qui concerne tous les domaines. Puis là, sort effectivement, hein, se prononce une personne. Une personne qui va quitter un endroit. Ça, c'est vraiment, ça revient, mais c'est énorme, hein. Qui va quitter un endroit, qui va mettre fin à quelque chose. Donc on va les creuser aussi, hein. Mais qui se montre vigilant pour le moment, qu'observe. Ça peut être il, elle, ou selon les énergies, à vous d'adapter pour se lancer sur un nouveau chemin. Il y avait bien le fou, le mât qui était sorti de votre côté. Oh là 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 là, ça va bouger là. Ouais. Après, d'autres messages, s'il vous plaît, qui va entamer un nouveau chemin. Ouais. En tout cas, tout va bouger pour vous, hein. Et apparemment pour une personne qui est riche à votre cœur. On y annonce de grands changements, mais cette personne va devoir mettre fin. Oui, mais par rapport à quoi? Ah, d'accord. Oh là là. Bon. Cette personne va mettre fin à un engagement. Oui. Destruction avec la tour. C'est une personne qui était restée longtemps, quand même, dans un ego plutôt assez fort. Mais tout a un sens. Et tout va prendre un sens. Vous allez l'apprendre. Bientôt. Donc la personne que vous avez dans le cœur va mettre fin à un engagement. Donc ça peut être un divorce ou la fin d'un pacs. Pour le moment, cette personne est un petit peu figée parce qu'il y a une attente. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Déjà par rapport à lui-même ou à elle-même. Hein. Au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel. C'est là, cette personne, ça lui demande beaucoup d'énergie. Mais avec tempérance, l'ange protecteur, l'ange aussi de la guérison, vous êtes tous deux guidés. Tous deux. Donc, c'est vraiment étrange parce que vous vous rejoignez, cette personne se prononce, mais se prononce là, apparu plutôt en second, parce que vous vous remontez en flèche, hein, dans votre vie, hein, dans votre vie. Là, pour vous, il y a un redémarrage en flèche. Et pour cette personne, donc ça va parler à des triangulaires, hein, en priorité. Cette personne va mettre fin, oui.
Un engagement, un mariage. Elle va tout casser avec la tour, hein, pour un nouveau commencement. Mais il ou elle est bloqué pour le moment, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, intérieurement parlant, ce qui est normal. C'est peut-être une personne qui est aussi en guérison physique, on me dit aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Puisqu'elle se prononce maintenant, cette personne. En tout cas, vous êtes tous deux en élévation, hein. Il y a de profonds changements. Nouvelle compréhension qui émerge. Nouveau déclic, nouveau départ. Ouais. Cette personne est appelée à l'ordre avec le jugement. Ouais. Il y a un pardon. Il y a un pardon que cette personne va vouloir vous demander. L'étoile, vous avez la protection pour vous deux. Hein. Mais oui, on vous certifie bien, vous voyez, que vous êtes passé par des problèmes, hein, de nombreux problèmes. Donc là, c'est pour vous deux, ces énergies. Que ce soit vous de votre côté ou la personne que vous avez dans le cœur, en tout cas, vous avez vécu un véritable marathon. Marathon. Oh, punaise. Voilà pourquoi. D'accord. C'est dû à des personnes environnantes. Oui. Il y a des énergies tierces là en tant que personne. C'est peut-être ce qui a retardé aussi votre lien. Mais quelque part, c'était voulu pour que vous évoluez tous deux, mais à distance, dans votre vie. Ouh là 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 là. Par contre, la personne de votre cœur, hein, même si elle est protégée, guidée, remise sur le chemin, a longtemps résisté à ce changement. A longtemps résisté. C'est ce qui a créé, vous voyez, les problèmes et l'énergie là en négatif. Suivant comment elle tombe. Ouais, il y a eu beaucoup d'ego du côté de la personne, de votre cœur, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, tout est juste. Hein. Cette personne, voilà, elle ne va pas revenir dans votre vie, on ne va pas renvoyer cette personne, logiquement, dans votre vie. Hein. Voilà. Si elle n'est pas prête, hein. Parce que vous, de votre côté, il y a eu beaucoup d'avancement. Hein. Oh là là, je ne sais pas si vous entendez la tempête qui s'annonce. Ouais. Ce qui plonge cette personne dans la peine. Hein. Mais forcément. Cette personne est en train d'évacuer beaucoup de choses. Ouf, il y a le soleil quand même. Hein. Le triomphe aussi. Cette personne est quand même une personne généreuse. Hein. C'est juste que c'est quelqu'un, que ce soit il ou elle, qui a un très fort caractère, je préfère dire ainsi, qu'un très fort caractère, et c'est ça qui, quelque part, à un moment donné, a retardé votre lien, vos retrouvailles. Mais là, plus particulièrement, vous vous avancez, et vous avancez très bien, mais cette personne, ben oui, on va dire, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Une leçon de vie, je préfère dire. Mais c'est quelqu'un qui va remonter. Mais qui est pourtant une bonne personne. Hein. Oh, pff, vous voyez, maison Dieu. Hein. Bon, mais c'est certifié, je vous ai dit, je ressens la tour à travers celle-ci. Elle est bien sortie. Qui va mettre fin à tout ça. Ouais. C'est une personne qui s'est rendue compte, hein, qu'il a longtemps
il ou elle saboter votre lien, mais aussi, bah oui, retarder. Ça, c'est vraiment aussi des énergies qui reviennent souvent en ce moment. Hein. Voilà, l'avion qui est, vous voyez, qui passe, l'avion qui passe. Désolée si vous l'entendez, voilà, parce que j'ai ouvert et de bonne heure. Ah oui, c'est quelqu'un qui s'est montré souvent d'humeur, on me dit, très changeante envers vous. C'est-à-dire, un jour, il ou elle pouvait vous parler et c'était plutôt blanc, rose, on va dire, vous voyez? Et puis, le lendemain ou quelques heures après, le doute, l'incertitude, je dirais. Une personne un peu, et sans jugement bien évidemment, mais émotionnellement, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. Mais y a, là, il y a l'ancienne, là, il y a la destruction. Moi, je préfère dire transformation, oui, c'est ça. Profonde transformation. Hein. Ouais. Vous voyez, avec le sommet, cette personne va bien réussir. Hein. À devenir la personne que il ou elle doit être, tout simplement. Que ce soit dans sa vie, mais aussi avant de revenir vers vous. Puisqu'il y a bien le chemin, le départ. Pour venir vous rejoindre. Hein. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à une leçon de vie? Il y a bien la justice, hein, qui sort. Le verdict. Cette personne doit retrouver son propre équilibre intérieur avant de venir vous rejoindre. Avant de venir vous rejoindre, on me dit. Allez, mais vous, en tout cas, avancez, continuez d'avancer dans votre vie. Prendre soin de vous, faire des choses qui vous plaisent. Regardez. Les amoureux, quand je dis ça pourra parler au triangulaire aussi. Hein. Cette personne a bien un choix à faire, il va le faire, va le acter, on l'a vu. Hein. Ouais, on a bien vu que... Cette personne va faire ce choix, va mettre fin avec le pape là, la fin, le pape, donc l'engagement. Sais pas si vous le voyez bien, oui. Par rapport à une personne qui l'accompagne, va mettre fin définitivement, avant de venir vous rejoindre. Donc là, il y a des retrouvailles qui vont s'amorcer. Été, j'ai entendu. Été. Été pour certains. Donc pas de panique. Pourquoi pas, ça peut se faire avant. Tout dépend comment la personne va avancer dans votre, dans sa vie, déjà personnellement. Il y aura bien un choix qui va être fait de cette personne. De toute façon, dans son cœur, hein. C'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Hein. Oula, je ne sais pas si vous entendez mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. La force. Cette personne va retrouver la force. La force, et on avait vu les énergies tierces. Hein. Les influences tierces. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un. Qui a dû faire face à certaines addictions. Peut-être dépendance affective. Mais c'est quelqu'un là qui remonte et qui va atteindre les sommets voulus. Parce que de l'autre côté, on veille sur cette histoire. Hein. Vous avez un lien particulier, on va dire un lien très fort. Et cette personne va y arriver de toute façon. Ça, c'est clair, c'est comme ça. C'est écrit, c'est lancé. Voilà. C'est lancé.
Avec la roue de fortune, effectivement, on vous confirme bien que ben c'est lancé, hein. La roue de fortune peut aussi représenter le karma. Moi, je préférais dire leçon de vie, mais là, la personne que vous aimez est en train, oui, de régler certaines choses karmiques aussi, peut-être avec des liens de personnes, d'énergie tierce qui l'entourent et qui est vraiment pas commode là, hein, parce qu'elle est tombée pas très bien entourée. Hein. Des fois, elle peut être positive, mais des fois négatif. Là, c'est le cas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je perçois de plus? C'est quelqu'un de toute façon qui va effectivement, on vous le confirme, passer à l'action, donc régler, déjà reprendre sa liberté, régler ce qu'il y a à régler. C'est quelqu'un qui passe par une grande transformation pour entamer de nouveau un nouveau cycle, mais cette fois-ci, ça sera personnellement, oui, par rapport à cette personne. Entre, voilà, c'est toujours pour soi qu'il y a des transformations en premier, mais il y aura bien un renouveau avec cette personne. Vous voyez, mais c'est magnifique pour la personne que vous aimez en tout cas. Et où elle retrouve son chemin, enfin, intérieurement parlant et extérieurement parlant. Oh, ça là, c'est magnifique, on va arrêter là. Regardez, pour vous retrouver ensemble, mots-clés, ensemble. Eh bien, alors là, magnifique, quand même, avancement. Mais vous, waouh, c'est super votre avancement. Les amis, je suis contente pour vous. Hein. Vous avez énormément avancé aussi de votre côté. Vous avez su revenir, lâcher prise, oui, mais pour revenir en vous, en votre centre. Et c'est ça qui aide le déblocage aussi. Hein. Pendant que vous vous occupez de vous, de votre bien-être, etc., de mettre des projets en place, blablabli, blablabla, comme on dit souvent, pour prendre le raccourci, dans le bon sens, automatiquement, ça laisse. J'ai envie de dire énergétiquement parlant, puisqu'on parle souvent de loi d'attraction, quelque part, eh bien oui, votre agissement est ce qu'il faut, c'est revenir à vous, vous occuper de vous-même, de votre vie, de vos projets, etc. Eh bien, ça laisse de la place à cette personne pour régler ce qu'elle a à régler et pour vous retrouver. En tout cas, dans un avenir proche, j'ai perçu l'été pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, tout dépend. Tout dépend à quelle vitesse avance cette personne. Ça peut être avant, hein. Allez. Que veut vous dire cette personne de cœur à cœur et d'âme à âme, s'il vous plaît? Mais il y aura des retrouvailles. Il y a énormément de retrouvailles qui se positionnent. On me dit celle-ci. Ouais. Vous voyez, comme je vous ai dit, pour le moment, la personne de votre cœur vous dit, je me sens bloquée entre mon passé et toi. Mais bien évidemment, hein, ça c'est dans la logique des choses, puisque cette personne va mettre fin à ce cycle, justement, pour entamer un nouveau départ avec vous. En dos de deck, cette personne souhaite, voilà, hein, que ce soit bien clair, souhaite un week-end en amoureux, voilà tout ce dont j'ai besoin. Là, ça traduit tout simplement que cette personne, ben, elle souhaite quoi? Vous retrouver ensemble, hein, vous retrouver et aller vers un nouveau départ. Commencez enfin cette vie entre vous. Moi, je dis honnêtement, c'est une victoire. Par contre, oui, il y aura encore, ben oui, des choses à faire. Hein. Voilà. Écoutez, j'en arrête là aujourd'hui pour cette guidance. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer. C'est quand même le but des guidances.
Et oui, les guidances générales parlent aussi. Maintenant, c'est à vous de faire preuve de discernement, de savoir si c'est votre histoire, si vous avez perçu des sensations, pour savoir si ces messages sont bien pour vous. Voilà, je vous fais à tous de nouveau des gros bisous et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous.